Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tarbawiyat مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزاتي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. في هذا الفيديو غادي ندير معكم لاكتيفيتي دو ليكتور ديكسيون اللي كتخص لونيتي 5 لونفيرونمون لي سيمين 1 2 3 اي 4 pour l'unité 5 هذا لو بوين بعنوان لي 4 اليمون داكوغ لي 4 اليمون راه كندرت معكم فيديو خاص بكيفاش نقراو هذا لو بوين اللي باقي ما شافوش يشوف راه غادي يلقى لو ليان في الديسكريبسيون سي بيان Donc le poème est hadi. عندنا واحد ليماج ici. Donc regardez et puis on va répondre aux questions proposées ici. Donc je découvre, actachif, j'observe l'image. Donc je vois l'image. Donc je kibbe neuf l'image. Donc je vois un homme. Donc un chasse. Un homme qui est au bord de la mer, dans la forêt, au bord de la mer. Il allume le feu ici. Donc l'homme, il a des cheveux qui est long, qui est noir. Donc c'est ça. Donc je réponds à la question. Regardez. Je décris le personnage. Donc Radino Sofad le personnage. Comment il est? Donc le personnage, donc c'est un homme. C'est un homme. Wachers. Les rois. L'Ad al-Hajari. Archik. D'accord? Qui allume le feu au bord de la mer, d'accord? J'aime le bahar, d'accord? Au bord de la mer. La question suivante, je relève le titre du poème. Je fous le titre. Le titre, ouais. Donc le titre, c'est les quatre éléments. Ça fait les quatre. Donc le titre. Le titre, deux points. Les quatre éléments. Les quatre éléments. D'après l'image et le titre, il s'agit de quoi? Donc, d'après l'image, donc je fais une sora, ou je fais le titre, les quatre éléments. Donc, radin hudrofna dal komele, je fais le poème. Donc, il s'agit de l'air, donc on doit le hawa, le feu, la fia. Le feu, c'est pas le feu. Hein? La terre, l'ard, et l'eau. D'accord? Et l'eau. Donc, les constitutions, les radines dans la faites le point, les quatre éléments. Il y en a quatre éléments, l'air, le feu, la terre et l'eau. J'écoute la diction du professeur. Maintenant, je vais vous lire le poème, suivez avec moi. Les quatre éléments. L'air, c'est rafraîchissant. Le feu, c'est dévorant. La terre, c'est tournant. L'eau, c'est tout différent. L'air, c'est toujours du vent. Le feu, c'est toujours bougeant. La terre, c'est toujours vivant. L'eau, c'est tout différent. L'air, c'est toujours changeant. Le feu, c'est toujours mangeant. La terre, c'est toujours germant. L'eau, c'est tout différent. Je répète. Les quatre éléments. L'air, c'est rafraîchissant. Le feu, c'est dévorant. La terre, c'est tournant. L'eau, c'est tout différent. L'air, c'est toujours du vent. Le feu, c'est toujours bougeant. La terre, c'est toujours vivant. L'eau, c'est tout différent. L'air, c'est toujours changeant. Le feu, c'est toujours mangeant. La terre, c'est toujours germant. L'eau, c'est tout différent. Donc, il y a la lecture, sahih, il y a le poème. D'accord? Le poète, il y a le poème, c'est Claude Roy. En fantasque. Gallimard, d'accord. Donc, à la source, voilà l'auteur ou bien le poème, le poète. Ça fait. Je fais la barrière question, c'est bien. Donc, je lis silencieusement le poème. Prenez le poème. Je cite les quatre éléments. Les quatre éléments. Donc, les quatre éléments sont. L'air, le feu, la terre et aussi l'eau. D'accord, l'eau. La question suivante, je relève dans le poème les adjectifs qualificatifs relatifs à chaque élément. C'est bien. Donc les adjectifs qualificatifs relatifs à chaque élément.
نمشيو نطلعو للبوا. دونك عندي لير وعندي لو فو وعندي لا تير وعندي لو. كل اليمون يعني كل لير عندها لي زادجكتيف ديالها. لو ميم شوز, لا تير اوسي اي لو اوسي. داكور. دونك لير عندنا رافريشيسون, يونا شونجون, بور لو فو ديفورون bougeant et mangeant, pour la terre tournant, vivant et germant, et pour l'eau c'est différent, différent. D'accord? Donc c'est bon maintenant. Donc on a les éléments, donc on a l'air, on a bien pensé les adjectifs. Donc gras, frais, chez, sans, changeant. On a le feu. Le feu, donc le feu dévorant. Il y en a aussi bougeant. Il y en a aussi mangeant. D'abord, on dira la terre. On a la terre tournant. On a vivant. Maintenant, germant. Pour l'eau, c'est différent. D'accord. Différent. C'est bien. Deuxièmement, la question suivante. Maintenant, je dis bien le poème. J'écoute la diction du professeur. Je lis le poème en entier, puis je le reprends strophe après strophe. Je repère les verbes de chaque strophe. Donc, les verbes dans chaque strophe, il y en a quatre verbes dans chaque strophe. D'abord, strophe par strophe. Suivez avec moi. Les quatre éléments. L'air, c'est rafraîchissant. Le feu, c'est dévorant. La terre, c'est tournant. L'eau, c'est tout différent. La strophe, l'eau. Strophe, le poème. Ou faqra, le texte. Ça fait. L'a dit. Deuxième strophe. L'air, c'est toujours du vent. Le feu, c'est toujours bougeant. La terre, c'est toujours vivant. L'eau, c'est tout différent. Troisième. L'air, c'est toujours changeant. Le feu, c'est toujours mangeant. La terre, c'est toujours germant. L'eau, c'est tout différent. Ça fait? Donc, il y en a un, deux, trois strophes. D'accord? Dans chaque strophe, il y en a quatre vers. Ça fait? Je répète la lecture. Les quatre éléments. L'air, c'est rafraîchissant. Le feu, c'est dévorant. La terre, c'est tournant. L'eau, c'est tout différent. L'air, c'est toujours du vent. Le feu, c'est toujours bougeant. La terre, c'est toujours vivant. L'eau, c'est tout différent. L'air, c'est toujours changeant. Le feu, c'est toujours mangeant. La terre, c'est toujours germant. L'eau, c'est tout différent. D'accord? Je découpe quelques vers en syllabes. L'air, c'est rafraîchissant. Donc, on a le kelma kibira. Ça fait. Je lis la rime dans chaque vers. La rime, il y a le qafiyya. Il y a un, il dit. En. صافي هذه لا ريم لا ريم هي ديك القافيه اللي كنسمعها بحال غنيه داكور رافريشيسون فيغون تورنون. دونك وبهذا غادي نكون كملت لا فيديو ديال اليوم. كنتمنى انكم تزيدوا تدعموا قناه تربويه مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم. كان معكم الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.